Bonjour, nous sommes les mini-journalistes de l'école Charles Clément à Hirson. Et aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de métiers. Pour notre premier reportage, nous allons interviewer notre professeur. Bonjour, je m'appelle Hélène. Pourquoi avez-vous décidé de devenir prof ? Alors, bonjour Hélène. Alors, j'ai décidé d'être prof, c'est un peu un hasard. Au départ, je n'avais pas prévu d'être prof. Au début, je voulais être avocat. Et je me suis rendu compte que c'était déjà beaucoup de travail dans des bureaux et je voulais plus de relations humaines. Donc j'ai fini par décider un peu par hasard d'être prof. Bonjour, je m'appelle Aïcha, j'ai 10 ans. Depuis quand êtes-vous devenue prof ? Bonjour Aïcha. Alors j'ai décidé d'être prof il y a à peu près 2 mois. Vous êtes ma première classe, donc c'est très récent. Je ne suis pas prof depuis très longtemps. Bonjour, je m'appelle Noah, j'ai 11 ans. Combien de temps ont duré vos études pour devenir prof ? Alors, mes études, j'ai fait des études, mais du coup, moi, j'ai fait des études de droit. J'ai fait 5 ans pour faire un master et après, j'ai fait une année de prépa pour devenir avocat. Donc, c'est des études longues, mais il faut savoir que pour être prof, de toute façon, il faut faire 5 ans. Au minimum 4 ans, je crois. Bonjour, je m'appelle Elliot et j'ai 10 ans. Est-ce que c'est dur d'être prof ? Alors, prof, oui, c'est un peu dur. C'est surtout fatigant, à certains moments. Mais en tout cas, même si c'est dur, le fait de se battre pour des élèves, on trouve que c'est quelque chose qui est gratifiant, qu'on a envie de faire. Donc, même si c'est fatigant, on est quand même content de le faire. Bonjour, je m'appelle Aude, j'ai 10 ans. Quelles qualités faut-il pour devenir prof ? Merci. Alors, je crois que pour devenir prof, il faut être pédagogue, c'est-à-dire savoir bien expliquer les choses. Il faut savoir aussi s'imposer quand il y a du bruit dans la classe. Et il faut surtout savoir communiquer avec les enfants. Je pense que c'est important aussi, ça. Voilà. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir. Au revoir. Bonjour, pour notre deuxième reportage, nous allons interviewer notre animateur Ludo. Bonjour, je m'appelle Noah, j'ai 11 ans. En quoi consiste votre métier ? Très bonne question, Noah. Alors, le métier d'animateur, c'est de proposer des activités aux enfants. D'accord ? Voilà, c'est ça, le métier d'animateur, de vous surveiller, de vous donner de la joie, du bonheur, de vous... Voilà, on est là pour vous proposer des activités et de découvrir aussi des activités. D'accord. Bonjour, je m'appelle Aude, j'ai 10 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être animateur ? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être animateur ? Ben, c'est simple, quand j'étais plus petit, je devais avoir votre âge, je partais tous les étés en camping. Et en fait, dans les campings, tu as des animateurs. C'est eux qui te font vivre les vacances, c'est eux qui proposent des soirées, c'est eux qui te proposent des activités. Voilà, ils sont là pour amener la joie dans le camping. Et en fait, je me suis dit, quand je les ai vus, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et c'est comme ça que je suis devenu animateur. Et j'ai commencé à être animateur dans les campings. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 10 ans. Le coronavirus vous a-t-il bouleversé pour les centres de loisirs et les écoles fermées ? Alors, le coronavirus, bah oui, ça nous a bouleversé. Pourquoi ? Parce que, bah, comme vous le savez, les écoles, ils ont fermé. Donc, automatiquement, on ne travaillait plus, on ne faisait plus les tapes, on ne faisait plus la restauration. Donc, oui, ça a bouleversé. Et puis, comme vous avez pu remarquer, depuis qu'il y a la Covid-19, on a un protocole sanitaire à respecter et il y a des activités qu'on ne peut plus faire. Donc, on s'adapte. Bonjour, je m'appelle Aïcha, j'ai 10 ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Alors, qu'est-ce qui me plaît dans ce métier ? Ben, déjà, c'est au contact avec vous, en fait.
Et en fait, ce qui me plaît, c'est... En fait, il y a un but quand on est animateur, c'est de donner, en gros, le sourire aux enfants. Et en fait, voilà, c'est ça qui me plaît. C'est, en fait, quand je fais une activité, quand je suis au TAP, quand je suis en restauration, quand je suis au périscolaire, si je propose une activité et que l'enfant sourit, c'est merveilleux, ça veut dire que le deal, il est rempli. Bonjour, je m'appelle Elliot et j'ai 10 ans pile. Quel est votre meilleur souvenir ? Alors, dans ce métier d'animateur, il faut savoir qu'en fait, il y a plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs. Donc, des souvenirs, j'en ai des tas. Mais je peux vous en raconter un. En fait, c'était quand j'ai débuté le métier d'animateur. J'étais donc en camping, en village vacances. Et en fait, je m'occupais du club ado. Et dans ce club, il y avait un enfant autiste. Et en fait, son rêve, c'était de traverser le plan d'eau qu'il y avait auprès du camping à la nage. Et en fait, on y a réalisé son rêve parce qu'on a fait, j'ai organisé en fait une activité. Il devait construire un radeau et traverser donc le plan d'eau avec le radeau. Et en fait, quand il a fini l'activité, il pleurait de joie. Il avait les larmes aux yeux. Donc, ça reste une belle image, donc un meilleur souvenir. Merci à notre animateur d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, c'était avec un grand plaisir, les enfants. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui, nous avons avec nous un invité exceptionnel, Monsieur Paternostré, que nous allons interviewer maintenant. Place à notre reportage. Je m'appelle Elliot, je suis en classe de CM2 et j'ai 10 ans. Pourquoi avez-vous décidé d'être animateur de entraîneur de foot ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité, mesdames, messieurs les journalistes. Donc, je me présente à mon tour, donc Laurent Paternostré. Je suis donc en effet entraîneur du foot à Hirson, particulièrement chez les seniors. Donc, la question est pourquoi je suis entraîneur de foot aujourd'hui ? Ben parce que tout simplement, c'est une passion que j'ai depuis tout petit. Et donc j'ai commencé en tant que joueur, hein. J'ai commencé à l'école comme vous, hein, à faire du foot dans mon village natal. Ensuite j'ai commencé à mettre dans un club de foot, hein. Donc j'ai commencé le foot à Guise, donc Guise c'est pas très loin d'Hirson. Et voilà, j'ai fait mon chemin et aujourd'hui je suis entraîneur d'Hirson. Mais à la base c'est une passion, voilà, une véritable passion. Bonjour, je m'appelle Aïcha, j'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2. Quel diplôme avez-vous passé pour devenir entraîneur ? Oui, bonne question, parce qu'en effet, on n'est pas entraîneur comme ça. On ne s'invente pas entraîneur, donc il faut passer des diplômes. Donc les diplômes, j'en ai passé plusieurs. Donc le diplôme d'initiateur 1 et 2, qui est la base, hein, qui permet d'entraîner déjà des enfants, parce qu'on commence souvent par les enfants, par les jeunes, et après on monte au niveau des seniors. Maintenant, je suis avec des adultes, mais avant, j'ai commencé par les enfants. Donc j'ai plusieurs diplômes, initiateur 1, initiateur 2. Donc ce sont des diplômes régionaux que j'ai passé à Amiens à l'époque. Ensuite, j'ai passé un brevet d'État. Le brevet d'État, c'est la base, là aussi, donc à Reims, sur un campus. Et ensuite, j'ai passé un autre diplôme, donc j'ai plusieurs diplômes, qui est donc le brevet d'entraîneur de football. Un diplôme que j'ai passé là aussi à Amiens. Et tous les deux ans, j'ai des formations obligatoires qui me permettent de valider mon diplôme. Donc voilà, il y a plusieurs étapes. Hein, et il y a encore d'autres diplômes que je n'ai pas, mais qui permettraient d'entraîner encore plus haut, forcément. Voilà. Quel est votre parcours entraîneur ? Ben, entraîneur, j'ai commencé à entraîner à Vervins. Bon, hormis mon cursus formation, j'étais avec les jeunes, hein, comme je vous l'ai dit, dans l'école de foot. Hein. Donc, à Vervins au départ, ensuite dans d'autres clubs, dans le nord, parce que j'étais dans le nord de la Maubeuge, Aumont et compagnie. Donc j'entraînais les jeunes à l'école de foot le mercredi après-midi. Mais ensuite, j'ai commencé réellement à entraîner au niveau des seniors, donc des adultes, à Vervins. C'était en 2000-2002, d'accord. Et donc on est en 2021, je crois. Donc depuis cette époque, j'entraîne. Donc ça fait quasiment 20 ans que j'entraîne. Donc j'ai eu plusieurs parcours, Vervins, j'ai entraîné à Tupigny, un petit village près de Guise, j'ai entraîné à Guise, j'ai entraîné sur Bordeaux, je suis parti 7 ans, 8 ans à Bordeaux, donc j'ai entraîné des clubs par là à Bordeaux, donc je ne vais pas vous les dire parce qu'il y en a plusieurs, et donc là je suis revenu donc, en tirage, et donc j'entraîne les seniors d'Hirson, voilà.
Quels sont les avantages... Je m'appelle Aude, j'ai 10 ans, je suis en CM2. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? Alors à la base, donc les avantages, c'est que ça permet, j'ai vu que j'étais joueur de foot à l'époque et maintenant entraîneur depuis 20 ans, ça permet de continuer la passion et de vivre la passion à travers les autres, parce que même si je suis entraîneur, je ne joue plus, mais je suis toujours dans le milieu du foot, donc ça me permet de rester dans le milieu du foot, première chose. Et les inconvénients, j'ai envie de dire ici, je ne veux pas être méchant avec la profession, les inconvénients majeurs qu'il y a ici en tirage, c'est la pluie, c'est les conditions météorologiques, surtout quand on vient de Bordeaux, parce que le temps n'est pas le même. Non, je rigole, mais bon, voilà. Non, après, les générations changent. C'est vrai que la passion, parfois, est peut-être un peu moins présente que nous à l'époque. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. À Hirson, il y a quand même des garçons motivés. Et voilà, on avance. Donc, c'est plus important. Quel est votre meilleur souvenir ? Alors, mon meilleur souvenir, j'en ai deux. Donc, je vais commencer par le plus ancien. J'avais 15 ans, donc j'étais à Saint-Quentin, je jouais à Saint-Quentin et je suis parti à Valenciennes, faire un essai à Valenciennes pour jouer avec des jeunes de mon âge, faire un tournoi un samedi-dimanche. Et à l'époque à Valenciennes, l'entraîneur des professionnels, donc là c'était les pros comme le PSG aujourd'hui, comme tout ça, il m'a fait jouer avec les professionnels alors que j'avais que 15 ans. Et pour l'anecdote, on a gagné 3-1 et j'ai marqué un but. Donc ça c'est très très bon souvenir. Et le deuxième souvenir, c'est donc par ici, c'était à Vervin, donc dans le secteur de la Thiérache. On a fait un match avec, donc j'étais joueur à l'époque, non pas entraîneur mais joueur. On a joué contre Auxerre, l'équipe d'Auxerre, qui était en division 1, donc comme le PSG, comme Lens, comme tout ça. Et on a fait un 32e de finale Coupe de France devant 10 000 personnes à Saint-Quentin. Et on représentait à l'époque, on était Vervin, mais on représentait la Thiérache. Il y avait 5000 personnes de la tirage qui étaient au stade présent à Debrézy, à Saint-Quentin, pour ce match-là. C'était donc le 18 janvier 1997. Vous voyez, je l'ai encore là, mais ça reste un super souvenir. Merci à M. Paternostré de nous avoir accordé de son temps. Et à bientôt avec les mini-journalistes. Bonjour et bienvenue avec les mini-journalistes de l'école Charles Clément. Et aujourd'hui, nous allons interviewer un invité exceptionnel, M. Husson, qui va nous parler de son métier de chauffeur loti. Et nous tenons à le remercier de s'être déplacé pour nous. Maintenant, place au reportage. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 10 ans. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Bonjour. J'ai choisi ce métier parce que j'aime bien rouler, j'aime bien les personnes, discuter. Et moi, l'usine, c'est pas mon domaine. J'aime pas essayer de 8 heures derrière une machine à rien faire. Voilà. Bonjour, je m'appelle Noah, j'ai 11 ans. Est-ce que vous aimez ce métier ? Bien sûr, j'aime mon métier. Sinon, je ne le ferai pas. Bonjour, je m'appelle Aude, j'ai 10 ans. Est-ce que vous avez fait beaucoup d'études pour faire ce métier ? Pas du tout. Il suffit de passer quelques examens au niveau médical, savoir conduire, d'avoir une autorisation de la préfecture, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 10 ans. Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? Ça fait à peu près 5 ans que je fais ce métier-là. Et je compte continuer une paire d'années encore, si possible. Merci de nous avoir déplacés pour notre reportage.